va. Il y a carrément un bus qui est venu nous chercher. J'ai aucune idée où on va, les gars. Bon, je sais pas où on va. J'ai peur, j'entends parler de pilote, je sais pas quoi, dans les airs, je sais pas où on va. Ça m'inquiète. J'ai peur, alors que moi je suis une grosse tapette de toutes les activités, c'est-à-dire que même le jet ski me fait peur, le quad me fait peur. Donc là, j'avoue que j'ai chaud, j'ai vraiment chaud. D'accord, maintenant j'entends que c'est ouvert depuis une semaine, donc ça veut dire que je suis même pas sûre qu'il n'y a pas de problème. Je sais pas ce qui se passe. Et il m'a dit que c'est quelque chose que je ne sais pas qui existe. En fait, en gros, genre, il ne connaissait pas l'existence de cette chose et je ne connais pas l'existence de cette chose. C'est carrément un truc que je ne connais pas, enfin que j'ai jamais vu, entendu parler dans ma vie. Mais je crois qu'il m'amène voler dans les airs là. Oulala. Oulala. Nous sommes actuellement sur de l'herbe, j'ai vu autant d'herbe à demain déjà. Nous dirigeons vers le désert. Ok les amis, je sais pas dans quoi je m'embarque. Je suis au milieu du désert. Je sais pas si vous voyez bien. Il y a de l'herbe, il y a le désert. Il y a deux machines ici. Et on est là. Ça y est, là on m'a attaché. Ouh là là, il me dit que ça a bougé en plus. Ok. If you see I'm not here. Ok, comme... j'ai peur. Les amis, j'ai peur. J'allais carrément m'envoler sans le producteur. Enfin, sans le producteur. Oh là là. Je vais être incapable tellement que j'ai peur. Sans le pilote. J'allais carrément... Les gars, j'allais quand même m'envoler là. J'allais vraiment m'envoler. Je sais pas si on voit sur Snap parce que je vois rien. Mais j'allais vraiment m'envoler. Enfin, genre le truc, là, quand ça partir tout seul, je suis là. On doit mettre les jambes comme ça, le long. C'est un truc de fou. Yes, ready. Laurent, il s'envole. Oh là 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 là, j'ai peur, oh là j'ai peur. Oh mon Dieu, Dio Santo Madre. C'était un truc de fou. Je sais pas comment j'ai survécu. Même j'avais peur, mais c'est trop beau, trop beau. Trois quarts. Je pourrais pas le faire deux fois parce que vraiment j'avais grave peur moi. Mais les gens, vous allez adorer cette nouvelle activité. En fait, apparemment ça existe depuis longtemps, mais juste les gens ne connaissent pas. J'avais jamais vu ce truc de ma vie, jamais entendu parler. C'est incroyable. Je vous partage le Instagram pour les contacter si vous voulez faire cette activité. C'est de la pure folie. Mais après, je ne vais pas tout vous filmer parce que moi j'avais trop peur de sortir le téléphone. Mais il y avait des, on voyait des girafes, on voyait des gazelles. Enfin, vous pouvez voir sur la story de Laurent. Il a tout mis lui. En tout cas, truc de fou. Truc incroyable. Bon, au final, journée de fou, les amis. Et puis ce soir, c'est direction l'anniversaire de Medistar. Les amis, est-ce que vous aimez trop ça? J'aime trop.
trop. Bon, maisons sont une catastrophe aussi. Faut absolument que je les change. Pas contente du tout. Bon, maisons, je voulais voir le chien le plus fou de la terre. Il mange des chips. Hey bébé, you sick? Are you sick? No, finish. Finish sick? Yes. Rainy nose? No. Show me your nose. Show me. No more rainy nose, finish? Look inside. No, I see your voice, you're sick. You have to take medication. Yeah? No. Yes. No. Yes. No. Also Kaden sick, also mama sick. No. Everyone rainy nose. No. Yes. No, look, no runny nose. Why you not have? Because I take medication. Heavy, how do you to have? Heavy, how? Thank you so much. Salut la DLC, j'espère que vous allez bien. En tout cas, j'espère que vous avez bien kiffé l'épisode d'hier sur TFX. Aujourd'hui, on est le week-end, du coup, il n'y a pas d'épisode jusqu'à lundi. Lundi, on reprend à 17h. Si vous n'avez pas vu l'épisode d'hier, pour bien rester dans l'histoire, surtout que c'était un épisode, franchement, riche en émotions, je vous le mets juste là si vous voulez le regarder en replay. Aujourd'hui, Diaz et moi, on va partir dans le désert. J'ai organisé une activité pour elle. Et elle, elle n'est pas trop activité parce qu'elle n'est pas trop sensation, etc. Je vous dis juste un truc, c'est un truc qui vole. Et ça veut dire, à partir du moment où je lui ai dit ça, je l'ai pas dit plus, mais en mode, je l'ai forcé un peu. Je lui ai dit, vas-y, viens, fais-moi plaisir, viens. Comme ça, tu vas voir, on va kiffer une activité ensemble. Du coup, elle va venir, mais elle s'attend pas du tout à qu'est-ce que c'est. Elle imagine pas du tout. Du coup, je vais voir sa réaction et je vais voir si elle va le faire, mais je pense qu'elle va le faire quand même. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir sa réaction. En plus de ça, il y a mon frérot Romain qui va arriver. Ça fait super, super, super longtemps que je ne l'ai pas vu, donc ça me fait archi plaisir. Et carrément, je pense que je ne vous l'ai jamais montré. Donc, je vous montrerai aussi sur Snap. Et voilà, je suis content. Une bonne journée qui s'arrête. Regardez comment elle fait la meuf qui bosse. Est-ce que tu sais qu'on va faire une activité aujourd'hui? Oui. Oh non, tu ne fais pas passer, papa, franchement. Là, bah non, mais je suis un garçon, c'est normal. Moi, je ne suis pas coiffée, je ne suis pas maquillée. Ok, attends. C'est bon, il y a un filtre. Non. C'est bon, là, j'en ai mis un normal. Non. C'est bon, il y a un filtre. Voilà, là, c'est bon. Cœur noir. Cœur noir, ok. Est-ce que tu sais l'activité que tu vas faire? Non, j'ai peur. Franchement, tu me Pourquoi t'as angoisse. Peur? T'as l'angoisse? Je me suis mis un t-shirt manche longue et tout. C'est dans les airs, c'est dans les airs. Non, tu m'as t'es un menteur, tu m'as dit à maximum 2 mètres du sol. Ouais. Peut-être. J'ai aucune idée, j'ai jamais fait. Mais ce que je vois, c'est à peu près 2 mètres du sol, 3 mètres. Ça peut monter, je pense, un peu. Non, Laurent, après moi, je peux pas. Ça vole, je crois. Non, mais après moi, je peux pas, Laurent. Tu sais. Si tu peux, tu vas faire avec moi. Je te jure qu'après, je peux pas. Si. Arrête, t'es débile. Sors, c'est l'anniversaire du moche, Mehdi. Ouais, Mehdi Star, là, tu crois que tu dors dans mon lit ou quoi, mon lit, il y a un trou. En tout cas, bébé, est-ce que t'as vu que Romain est arrivé à Dubaï, il m'a pas envoyé de message encore. Mais j'ai pas encore venu à la maison. Mais je sais pas pourquoi t'as plein de copains comme ça, des fois ils arrivent, ils te disent pas tout de suite. Trop Romain, bien. Tu déconnes, hein. Romain, tu déconnes. Tu vois, je t'invite même pas chez moi, toi, Crowley. Surtout qu'entre temps, Romain, c'est un mec qui travaillait avec moi dans les bureaux quand on était à Mal, carrément, dans le trading. Et ça veut dire qu'entre temps, j'ai vu la fin. Snap, carrément, il est devenu influenceur presque. Et tu viens pas me voir. Non, tu déconnes, Romain. Romain, ramène tes fesses seulement. Ramène tes fesses, dis. Ramène tes fesses. Ouais, sinon t'es puni. Sinon t'es puni. Viens, ma Blue. Regardez comment elle est petite en 0,5. Attrape ma main. On dirait que je suis géant. On va manger? Allez, viens, on va manger. Allez, viens, on va manger. On va bien manger, Fifi. Le saviez-vous, la famille? Est-ce que vous savez que vous êtes protéines? T'es une légume pour vous personnellement. C'est vraiment important. Donc, vous pouvez j'affirmer. Oh, love you, mon fils. You slide. Let's go, baby boy. One, two. Wait. Boom. You go, Chelsea, now? Go. Slowly. Yes, go, both. Let's go. I see you. Let's go, fast. Now, Chelsea. After we go in your room, Chelsea. One, two, three. Go, Kaden.
Go fast, fast, fast. Kaden coming. Boom. Wow. Elle va m'apprendre à danser, baby girl. Ok. Come, show me. Allez, fais-moi la choré. C'est fais la choré. Like this first. Ok. Ok. How I do? Bien, enfin de recevoir mon tableau de The French Gallery. Carrément, je vais le déballer devant vous. C'est simple. Là, j'aime bien ces deux. Vraiment, en profiter, il n'y en a pas pour leur site. Faut savoir que Diaz a pris la décision de me faire un dressing exprès pour les chaussures qui devrait arriver à peu près dans 3 semaines parce qu'elle en a marre de voir tout ça, tout ça, tout ça. Il y a des chaussures, en fait, il y a des chaussures dans tous les armoires et carrément tellement ça dépasse, ben, carrément il y en a par terre. Regardez dans le cinéma, nous sommes totalement dans le cinéma et il y a des chaussures de partout. Donc ça veut dire qu'elle a décidé de me faire un dressing parce que ça déborde dans tous les... Partout, partout, il y en a partout, 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 c'est abusé. Bon bébé, est-ce que t'as l'angoisse? Bah oui, de ouf, parce que je t'en vois pas. T'as entendu quoi? J'entends du pilote dans les airs. On vient d'arriver, là elle vient de voir la machine, elle se demande qu'est-ce qu'on va faire. Regardez, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va sauter? En fait, c'est parce que comme ils ont parlé de pilote tout à l'heure, donc je me dis, donc du pilote, coup, ça, tu ça, vas ça voler, vole. Tu vas voler dans les airs. Ça, tu ça vole, ça. Après ça, tu sauteras en parachute. My God. Ouais, ça va être bien, ça va être bien. Regardez bien, parce que regardez le téléphone, ça va être bien. Regardez déjà ce qu'on va la faire. Bébé, ça va? J'ai archi peur. Là, c'est archi possible que quand elle descende, après l'avoir fait, elle vienne, elle me mette une baffe direct. Genre, en mode, pourquoi tu m'as amené là? Là, c'est archi possible.
C'était une activité de fou. Jazz, elle s'en remet pas du tout. C'était une activité de fou. Surtout la vue, elle est magnifique. Je te dis, franchement, il y a vraiment un truc qui existe parce que c'est tellement beau. Non, sensation de malade. Je vous mets leur Instagram, Parafly Dubai. C'est juste un truc de ouf. Allez checker. C'est un truc de dingue. Il n'y a pas de 2 mètres de sol là. Non, mais franchement, on va faire un truc de fou. Vous savez, il m'a fait un truc de fou. Il m'a dit non, c'est à 2 mètres du sol. C'est comme une voiture qui vole à 2 mètres du sol. Donc moi, je me suis marché tranquille. En plus, au début, bon, j'avoue, au début, monte, mais je me dis, ça va, on n'est pas à 2 mètres, mais on est à 10 mètres. Pas à, tu vois. Là, il commence à monter tout dans le ciel, le gars et tout. Je dis, mais 2 mètres, mon cul, ouais. Je vais faire un truc à l'envers, là, mais vous savez quoi, je me suis chié dessus. Dans 20 minutes à me retenir de me faire pipi dessus, vomir et tout. C'était beau gosse ou pas? Ben oui, mais bon, c'est pas pour les gens comme moi. J'ai.